Ah merde, il reste 8% dans ma caméra. Bon matin, on est mardi, il vient d'être de tourner 7h du matin, je suis à moitié endormie. Et j'ai décidé de faire le vlogtober, ça veut dire vlogger et mettre une vidéo en ligne à chaque jour durant le mois d'octobre. J'ai voulu commencer en fin de semaine, j'ai eu un empêchement, peu importe, c'est pas super important, mais je vais commencer le vlogtober comme aujourd'hui, ce qui veut dire le jour 4 je crois. Puis je vais vraiment essayer d'en faire tout le temps, là. J'ai des beaux petits trucs, des événements, des trucs le fun, là, comme aujourd'hui. J'ai fait un nouveau CD, puis j'ai mis trop de tunes, fait que là, ben, j'ai des tunes qui coupent en plein milieu. J'étais promariée à la station de métro Henri Bourassa. Je déteste le métro. Parce que rentre à Laval maintenant, vous le savez, puis ça me faisait comme un gros détour dans le trafic pour aller à Montréal après. Puis là, on est encore dans le trafic. Mm. On vit une poussée d'acné. Oh. Dépassé l'âge de la vingtaine. Mais le dépassé, wow, je viens d'arriver. Ok, elle vient d'avoir 20 ans. Mais genre, les deux, on en a jamais eu notre vie. Puis là, on en a. Genre, en même temps. Je sais pas si on va bien voir. C'est sûr qu'on va bien voir, c'est comme flagrant, là. Non, ça. Non, tu sais pas voir ça. Eh oui, on va le voir. J'ai mis trop de proches. Direction Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire, Marie-Kim? On s'en va. Je sais pas, qu'est-ce qu'on s'en va. Non, sorry. On s'en va à la première du film de Yann Nguyen, appelé Une 54. Tout premier long métrage réalisé par Yann Nguyen. Ouais. Puis c'est ça, on avait été. J'étais invitée avec Goji, puis on avait droit à un plus un. Fait que j'ai pensé à Marie-Kim parce que Marie-Kim est une fan finie de Yann Nguyen et des films québécois. Fait les films québécois, y a-t-il quelque chose de meilleur que ça dans la vie de Jessica? Va vous dire que tout est meilleur que ça, mais moi j'adore les films. Ouais, fait que c'est un bon deal, je pense que je l'apportais. Ça va faire partie de son cadeau de fête en même temps. Fait que je pense que c'est une bonne idée. Touchant. On va sûrement avoir plein d'artistes québécois, c'est vraiment excitant. Moi j'ai essayé de pas fangirl devant quelques personnes peut-être. Dommage qu'il n'y ait pas Claude Legault dans ce film. Bon, mais il va peut-être là. Ça veut dire que c'est un des événements médiatiques que tu as attendu. Ouais, j'ai vu ça dans ton courriel. Fait que. Oh mon dieu, imaginez s'il y a Claude Legault. C'est un lipstick à 1,25 $ de la marque Lipstick. Est-ce que ça va focusser, tu penses? Ouais. Reste devant ta face. Non, mais genre. Comme ça. Je vais vous le montrer. Il est blanc. Je pensais qu'il était rouge vu qu'il était aux cerises, mais ça sent les cerises puis ça goûte vraiment bon. Parce que oui, les lipstick, comme. Faut que ça goûte bon. Tu nous chantes ta chanson préférée. We were only 15. C'est tout ce que je connais, je connais ce On est rentré à la place des arts. On a trouvé Marlou, Étier et Mila. Oh, Mila, il y a plein d'artistes qui commencent à passer, puis genre on les reconnaît, mais on oublie leur nom, mais là on capote un peu, genre on a fangirl un petit peu là devant. Surtout Jessica. Ouais. J'ai dit à Marie-Kim, là Marie-Kim, faut pas que tu fangirl, puis c'est moi qui fangirl, c'est en ce moment là. C'est vraiment. Fait que, allons-y, allons-y. Ben là, il y a comme vraiment beaucoup de monde, c'est un peu. Moi je me sens pas bien là. Comme trop de gens. Ça te checker ça. Mais abuse pas, hein. On est vraiment en avant, toute la salle, et je suis à ça de l'écran. Genre, on est à 4 rangées. Je capote un peu. On a vraiment beaucoup de place pour les jambes en plus, ouais. Hein, j'aime ça. Je me sens pas pognée. Marie, tu sens comment? Hey, peux-tu t'aller, Marie? Je m'y mise dans le vlog. C'est impressionnant. De la compétition entre les athlètes, de l'intimidation et de l'instinct de survie. Il est déjà récipiendaire de 2 prix au prestigieux Festival du film d'Angoulême. Il a aussi été sélectionné au Festival de Namur et de Busan. Laura? Oh mais mon Dieu, ça me blague! Oh mon Dieu! Je viens de dire, genre, je regrette tellement de ne pas avoir vlogué. J'étais en train de dire, je vais aller dire dans le tien. Vas-y. À quel point le film était bon. Genre, ouais. Je pense que vous comprenez pas. Je m'attendais tellement pas à ça. Puis la bande annonce est aucunement représentative de toutes les péripéties qui peuvent se passer. Ça, c'est très vrai. Est-ce que je pourrais dire ma phrase de. Oui. Ma phrase fétiche du film? Ce film est représenté par une claque d'en face. Ouais, pour vrai, là. Prends ta main,
fout une claque d'en face, c'est le film. Regarde, c'est magnifique. Mais une claque d'en face qui fait du bien à son corps. Ouais, c'était vraiment full gros touchant. Puis là, il est rendu quelle heure? Il est rendu comme 11h. On marche vers le Club Soda. Il est rendu. Wow. Il est rendu genre minuit. Marie-Kim et moi, on sort du after party. C'était comme impossible vraiment de filmer là-dedans. Honnêtement, là, la musique était vraiment loud. Puis tu sais, c'est comme les artistes que je pense pas qu'ils veulent être vus, genre, non, hein, je sais pas. Dans le parking, genre, de la place du jardin, pour trouver notre retour, genre. C'est C3, non? Ouais, C3. Mais là, faut descendre, genre. J'en ai marre. Mais il n'y a plus d'ascenseur, on peut plus rentrer dans le complexe. Non. Malaise. Jessica tente de comprendre comment on fait pour payer. Ouais, c'est pas celui-là, là, c'est genre jamais 11$. Ok, là, c'est quoi, pour rester sans l'argent, là, c'est tout? Non, ça, c'est pas. Wait, où est-ce qu'on reste? Où est-ce qu'on rentre l'argent? Y'a pas d'argent. Ok, ah, il faut que je paye par carte, genre. Je pense que c'est ça. Ok. Ah, oh, mais quand? C'est un master. J'ai fait un mastercard, puisque j'approuve. Tu sais, la lunette, je sais pas, mais rien de ça. Tiens, je vais pas filmer.